OK. Avant qu'on aille à la pause, nous avons engagé, nous avons commencé avec un travail de modélisation. Il est vrai qu'on fait tout en un. On modélise, on collecte les données, on modélise, on fait du MCD, du MLD. Mais il est vrai que c'est encore sur papier. Par exemple, prenons juste notre notepad, comme le papier. Et avant de clore la séance, nous sommes arrêtés sur le rôle des participants. Nous sommes tous tombés d'accord sur des éventuelles relations. Raison pour laquelle, pour ne pas oublier, c'est-à-dire ici, je vous dis que je suppose que nous sommes sur papier. Donc, on écrit nos choses là, on sait ce qu'on veut écrire réellement. Donc, on a pour notre table, on a quoi? Gestion des salles, gestion des événements, gestion des parties prenantes, gestion des participants. Maintenant, gestion des rôles des participants. Gestion des rôles des participants. Nous avons renseigné un certain nombre de rubriques. Maintenant, donc, vu que notre analyse ne peut pas se terminer là, la parole est à qui veut la prendre. Ressortir ça clairement. C'est aussi un module. Oui. T'as dit c'est le module impression. Voilà. Oui. Donc, je voulais également, si on peut. Il y a un événement maintenant. À côté de ça, on pouvait également prendre en compte, capter toutes les activités qui ont lieu au sein du département, sans réalité. On a souvent une structure donnée, on n'arrive pas souvent à faire un bilan des activités. Il faudra qu'un tel outil puisse effectivement nous aider à faire le bilan des activités de toutes les structures qui vont de au-delà des événements que nous avons listés. Pour moi, également le capter également les activités la plus grande dans ce cas. Donc, ça signifie que à ce niveau, il est vrai qu'il y a des tables des tables qu'on connaît déjà, les tables d'identification, comment dire, gestion de profil. Oui, ça c'est les tables qu'on peut gérer sans problème. Maintenant, ça signifie que à ce niveau-ci, voilà notre modélisation. Je pense qu'on peut rajouter activité dans ces Voilà. Voilà. Une réservation des activités. Maintenant, donc, un événement a plusieurs activités. voilà. C'est ça le problème. Pour les activités. Mmh. Comment gérer? Parce que une activité peut se retrouver dans plusieurs. Un Après les événement activités, une a activité plusieurs appartient activités, mais à un seul événement. voilà, maintenant, il y a donc, zéro événement, par exemple. Oui. Voilà, une activité peut ne pas appartenir à un événement. Voilà. Par exemple, voilà, si on est en train de faire du MLD. Hein? Maintenant. Nous sommes encore tabula rasa. C'est-à-dire, de telle manière que hein, avec son compagnon, puis digérer en paix. Surtout, surtout parce que là, C'est dangereux. il faut bien Oui. rendre compte que je suppose qu'une activité peut être une réunion préparatoire.
Par est-ce exemple, que ça vaut encore la peine de créer une telle activité? Non, je ne me semble pas. Non, regarde, si tu ne crées pas une telle activité, tu auras donc le problème de lister le déroulement de ton événement. Un événement? Tu vas dire, tu mets donc quoi dans l'événement? Tu ne mets que les participants, les participants et les leaders. Ils vont donc venir faire quoi? C'est ça le problème. En fait, ah, je vois. Pour résumer, c'est que tu dis qu'il vient de dire là. Tu veux résumer, c'est pas bon. Ouais, c'est un événement. Un événement peut se résumer à une activité ou à plus. Voilà, exactement. Oui, un événement peut être une activité. Une réunion, par exemple, c'est un événement. Ok. Activité, réunion, point, on s'arrête là. J'essaie un peu de comprendre ce que M. Yébé veut dire. Il est aimé par M. Kébou. On voit exactement. Exactement. En fait, quand tu es pour activité, c'est que tu vas avoir, tu veux que l'application te soit le programme. Le programme de l'événement. Ça signifie qu'il y aura quelqu'un qui va. Alors, moi j'ai un problème, enfin je vois, c'est une question. Qui fait le programme? Est-ce que c'est celui qui gère l'appli ou celui qui demande la salle? C'est-à-dire, c'est lui qui vous lance le programme? Oui, okay. C'est la structure qui porte le projet, qui porte l'événement. Ok, parce que c'est justement ça que vous voulez connaître. Et ceux qui s'occupent notamment de la logistique, ils ont aussi d'abord des informations pour enrichir l'application, notamment avec la disponibilité des salles, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, ça signifie que je dois mettre encore en 6 gestion de programme. Oui, c'est ça qui est programme. Okay. Activité, ok. Je mets donc. Activité sera liée maintenant à l'événement. Voilà, donc gestion des activités. Maintenant, je veux donc ces propriétés. C'est une raison que je le connais. Maintenant, quelles sont ces propriétés? Type d'activité. Type. Activité, oui. Le nom de l'activité. Est-ce que le nom de l'activité non, c'est un programme. Okay. Quand par exemple vous saisissez un programme, est-ce que vous mettez le nom? Je sais qu'il y a soit la date. L'heure. C'est-à-dire il y a d'abord la date. Oui, il y a la date. Donc, pour la date, il faut voilà. Il y a même la durée. Oui. On peut. En fait, même une date même, on peut laisser date, mais plutôt heure. Pourquoi? Parce que, comme dans la liaison existe, cet événement a date début et date fin. Tu vois déjà, non? Non, sauf que le date début, date fin ne peut pas intervenir ici. Parce que, voilà, on peut avoir un événement sur une semaine. Oui. Et l'activité sur le troisième jour entre 10 et 15, par exemple. Ok. Donc, on met donc date d'activité. Oui, date d'activité. Maintenant, il y a donc ce qu'on appelle. Non, puisque ça peut se débrouiller dans l'après-midi. Oui, tu sais, on peut faire le programme, moi je applique pour avoir une. Maintenant, sur le programme, vous pouvez essayer d'exciter un peu. Non, regardez un peu. Moi, je vais un peu essayer de me résumer pour voir si j'ai bien compris. Quand vous parlez d'activité, quand vous parlez d'activité, n'est-ce pas? C'est du genre, vous voulez générer un programme d'activité. Je prends un exemple très simple. Le Commonwealth. Oui, c'est vrai, je ne maîtrisais pas très bien. Vos activités et vos événements. Maintenant, l'activité phare, c'est par exemple le troisième jour de la semaine du Commonwealth. Je prends juste un exemple. Hein.
Maintenant, on dit par exemple 8h10, ceci, cela. C'est ça, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire, type d'activité. Mais il y a un souci. En tout cas, on voit type d'activité, nom de l'activité. Je me dis que, par exemple, je prends un exemple banal. Bon, on peut dire, comment vous appelez, on fait souvent le matin. C'est une activité. Voilà. De faire cette année le cross quand on vient le football, c'est pas moi. Voilà une activité. Voilà une activité. Le type sera activité sportive. Match sportif. Oui. Donc, et le nom, sera ici footing ou football. Non, mais vous ne voyez pas que. Non. C'est pour aborder dans ton sens. Là, il y avait un exemple précis. C'est-à-dire, quand vous voyez en fait le programme des activités, par exemple, du Commonwealth, par exemple, du samedi, ils font le nom d'activité. C'est le nom d'activité. Mais le type. Mais le type, c'est. Activité sportive. Une activité sportive. Oui. Sauf que dans l'activité, il y a marche, ils peuvent jouer un match contre l'ambassade. Ils peuvent décider de faire un tournoi de football. Un tournoi de football, il y a souvent un tournoi. Ils peuvent décider de. Il y a plein de choses, de courir. Il y a même souvent le fitness ici, il y a l'esplanade là. On fait un truc fitness là. Il y a des activités culturelles. Il y a même le bois là, des activités culturelles. On expose les. Il y a aussi les expositions ventes. Oui, on expose là. Ok. Donc, dans activité, au final, c'est le programme d'activité qu'on voit pour cet événement-là. Donc, ça signifie que même la réunion a aussi un programme. Hein? La réunion, c'est un programme. Par exemple, 15h, début de ceci, 15h30, présentation du point, l'ordre du jour. Ok, vous savez, l'outil sera ouvert. Discours, c'est une activité. Hein? T'as dit, oui, j'essaie de voir, c'est à peu près pour les directeurs d'école maternelle qui font le programme de l'âme humaine. C'est à peu près comme ça. Voilà, par exemple. Ok. Ah oui, là, oui, c'est bon. Ça passe. C'est maintenant que je commence déjà à comprendre. T'as dit, où même vous voulez me courir. Soyez dans ce on va courir tous ensemble. Non, sauf que moi je suis adapté. On va courir. Est-ce que vous êtes tous à la maison? Vous devez être devant moi derrière. Non, tu risques d'aller plus vite que tout le monde. On a les pères, toi tu as les chaussures, tu es plateforme. Ok, donc. Si on peut dire grosso modo, c'est à bon. À ce niveau-là. Bon, c'est vrai que, bon, au fur et à mesure, quelqu'un peut rentrer à la maison. Quelqu'un peut rentrer à la maison et dire que non, j'aurais plutôt souhaité ou bien. Mais là, même moi, je peux rentrer. Que dans mon sommeil, vous avez déjà des sommeils. Est-ce qu'on peut sortir déjà un modèle de Non, si il fallait faire ça, on sortait ça de. Ça m'a coûté quoi? Je suis allé télécharger un truc sur internet, j'ai appuyé. Hein? Je pouvais le faire, non? Mais je ne veux pas le faire. Je préfère que nous tous en but. Parce que moi, je veux un truc concret. Bon, on peut aussi définir le. C'est-à-dire que. Il y a deux priorités différentes. C'est-à-dire que le niveau de priorité de l'activité. Le niveau de priorité de l'activité. Et aussi son état d'avancement. Parce que généralement, quand on fait un peu dans la gestion des activités des projets, ça dépend que effectivement, parce que l'activité aura peut-être un responsable. Il y aura un responsable de l'activité
qui n'est pas forcément participant. Bon. Ouais, c'est là qu'on a quoi, là, c'est vraiment l'activité. Ok, mais, donc. Ici, là, c'est juste celui le responsable de l'activité. C'est-à-dire que celui qui met l'activité et celui qui rencontre par rapport à l'activité. Donc, ici, donc, à ce niveau, c'est notre programme. On a comme ici, c'était là, quoi, culturel, après le nom est là, la date et l'heure. En bon, mais responsable. Oui. C'est l'activité là, pendant cette durée là. Ok, moi, nous tous, on va courir après ensemble et on va voir comment on peut se relever. C'est-à-dire qu'il y a le responsable de l'événement. Chaque activité, on confie vraiment à quelqu'un de l'activité. Ok. Il y a aussi la priorité, le niveau de priorité. Oui, ça, on peut. Non, le niveau de priorité. Parce qu'on sait que l'activité est dans. Oui, mais ça, l'événement. Non. Je pense que. Je pense qu'on peut. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on se dit que, bon, parmi toutes les activités, s'il y a une qu'il faut retenir, parce que généralement, c'est souvent quand on fait les arbitrages, notamment au niveau budgétaire, c'est-à-dire que si tu veux, par exemple, avec ton événement, tu dis que, bon, l'événement, par exemple, tu as prévu un montant, par exemple, de 20 millions, bon, tu as peut-être 10 activités, et puis à la fin du moment, tu dis, bon, là, c'est 20 millions. Tu as défini le niveau de priorité, que s'il n'y a qu'une activité qu'il faut retenir, c'est toi qui définis ton activité. Oui, mais est-ce que la partie-là ne se gère pas au niveau des studios? Non, c'est toi qui présente le projet, qui doit effectivement définir le niveau de priorité des activités. Ça veut dire que si tu attends que c'est le responsable, tu dis que bon, si par exemple, on prend l'état d'ancien qui est dans le cadre de nos activités, là, par exemple, sécurité, la maintenance, tout ça, mais le responsable dit que bon, c'est même vous en interne qui définissez, et que bon, pour nous là, on estime que vraiment la priorité c'est qu'est-ce que la sécurité, après qu'est-ce que les logiciels, après qu'est-ce que la maintenance. Ça veut expliquer que c'est le responsable qui définit cette priorité là, bon, il va prendre ce qui l'intéresse. Mais qui n'ira pas forcément dans nos priorités. Ok. C'est bon pour tout le monde. Moi, j'ai compris ce qui est. C'est qui est venu. Bon, c'est quand on a des activités sur une longue période. Mais si. Quand on veut se montrer des activités. C'est ça, c'est le des activités. Lui, il prend quoi en paramètre? Je ne disais pas qu'on fasse une table. Je disais qu'on peut mettre une propriété qui permet de faire le suivi, c'est-à-dire état d'avancement. Si vous voulez avoir des personnes. Une propriété, pas besoin d'une table. Une propriété, oui. Là, on peut utiliser les jauges. Les jauges vont se baser. Sur le temps d'avancement réel. Oui, exactement, réel. Il a dit activité, il a dit quoi? L'activité là, c'est un peu quoi là, monsieur? Voilà, sport, parce que c'est tout le sport. Voilà, maintenant, footing, c'est souvent. Alors, Et puis les trucs se basent, les choses vont s'appuyer maintenant sur les tâches. Donc, le niveau d'exécution des tâches, on base nos choses dessus.
Donc, par exemple, puisque une activité a un ensemble de tâches, si on se pose à l'heure que si telle activité a 10 tâches, que peut-être ces tâches sont exécutées, on peut dire que oui, son niveau d'exécution est élevé, quoi. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je mets seulement. Mais en même temps, c'est tout des éléments qu'on enseigne. Ouais. C'est-à-dire que. Moi, je crois que. Oui, voilà, c'est tous les éléments qu'on va rendre. On pourrait ajouter la propriété niveau là-bas, dans la gestion de l'activité, on ajoute. Parce que si on suivit les activités là, moi je vois ça comme ce qu'on va venir renseigner tout à l'heure. Parce que exactement de temps en temps. De temps en temps effectuer. Par exemple, cette activité. On peut programmer un événement et puis il ne se tient pas. N'est-ce pas? Oui. Et à la fin de l'année, le ministre peut demander quelles sont les activités de 2020. Qui n'ont que le MIRE n'a pas pu réaliser. On verra donc dans notre suivi lister toutes les activités qui n'ont pas été réalisées. Ou tous les événements qui ont été réalisés. Parce que si aucun des événements n'a pas abouti, ça veut dire qu'aucune date n'a pas été exécutée. Non, pas forcément. On peut aussi laisser un niveau de précision encore plus poussé. Sauf que. Un événement peut se tenir et on ne fait pas certaines tâches. Par exemple, la marche sportive. On peut dire que bon, il n'y a plus assez de temps, non, parlons, laissons la marche, passons plutôt à terre. Oui, mais si tu le diras pas. Dans ce cas, au ministre, que non, je n'ai pas pu tenir. Mais au moins, si certaines activités sont tenues, c'est ça que je dis que oui. Et si certaines activités sont tenues, ça veut dire que forcément, il y a des tâches qui sont réalisées. On part du plus grand, si on essaie un peu de faire une échelle de grandeur. Au plus bas niveau, on a des tâches. La tâche, on remonte, on arrive aux activités. Les activités, on programme. Ah, dans le temps, il faut qu'on programme. Non, c'est pas faux. En principe, je pense qu'on peut laisser tâches, parce qu'en principe, c'est-à-dire que si on veut pousser, si on veut vraiment s'arrêter, mais si on veut vraiment pousser, avoir une évaluation plus poussée, on peut effectivement aller jusqu'à la tâche. Parce qu'effectivement, comme par exemple le responsable c'est ceux qui sont responsables d'une activité. Toi, par exemple, il te dit une tâche. Une commande, par exemple, c'est par exemple les imprimantes. Ouais. Tu vois. Toi, tu es responsable de la tâche. Si on remonte question de la CNU. Oui, ça, si on va au fond. Si on va au fond, on voit c'est par exemple quel élu qui gère. La stress, par exemple, il y a par exemple les caméras. Maintenant, comment est-ce que cette activité se mène? Est-ce que vraiment à la fin, c'est pas mauvais. C'est vrai que c'est complexe, mais c'est mieux quand vous savez jusqu'à la tâche. Non, rien. Là, si on rien n'est ça, complexe. Ça risque d'être un peu lourd. Rien n'est complexe. Il faut voir la cohérence. Ça, c'est un peu nouveau. Rien n'est complexe. C'est vraiment un découpage de l'activité. C'est vraiment un découpage de l'activité. Événement, activité, tâche. Ok. C'est même la procédure projet. Oui, c'est la procédure projet. Événement, activité, tâche. Et ça peut même facilement de décider la performance ou bien de devenir des indicateurs. Et aussi notre aspect, notre information qu'on peut trouver l'activité, c'est maintenant le coût de l'activité. Voilà. Oui. C'est voilà. Plus facile, ça devient plus facile à délimiter. Le coût, hein. Oui, donc on enlève le suivi. Chaque tâche, ça te donne le coût. Donc on met le coût. Les activités. Qui lui sera le résultat de toutes les tâches de la société. Ah, donc maintenant, je veux donc avoir les propriétés de tâches. Ici, le nom de type, puisque c'est le dernier nom de la tâche, n'est-ce pas? Nom de la tâche. Responsable tâche. C'est responsable tâche. Ça, j'appelle que l'accent là, c'est le travail, ça? Le travail. Je me souviens, c'est le mélange souvent des tâches, mais pour
de la sortir au niveau de la résistance. Donc, il y a encore au niveau de la force. L'événement aussi sera la résultante de tous les. Le taux, oui. Le taux de tout, oui, c'est ça. Donc, coût-activité maintenant. Donc, lui va. Si on va voir le coût total de l'événement, c'est la somme des activités. Voilà. C'est la somme des coûts des activités. Ok. Le coût de la société, c'est la somme des tâches. Mmh. Le maître d'œuvre. Ici, donc, je mets les tâches. Vous avez oublié le taux de réalisation? Comment on évalue l'indicateur? Non, c'est pas programme. C'est au niveau du programme. C'est-à-dire que si on prend par exemple, je pense qu'on va arriver là, c'est-à-dire qu'il y a l'activité, il y a des informations qu'on peut rajouter, un peu comme la structure. Hein, qui gère l'activité? Là, on a parlé parce que là, il faut la structure. Maintenant, il faut l'ancrage. C'est-à-dire quel est le programme de référence de l'activité? Mais à l'événement, on aura déjà la structure. On devait avoir structure en haut là-bas. Raison pour laquelle on va créer une table structure. Table structure. Qui va interagir avec les tâches, avec certaines autres tables. Il y avait des activités. Donc, il y a donc quoi? Vous savez, partie prenante n'a donc plus. Non, c'est ça. Non, je comprends, sauf que. Parce qu'on a tout ce qui vient du milieu, là, donc plus là-bas déjà. Non, on avait par exemple une partie prenante, c'était par exemple les présentations. Oui, externe. Oui, externe. D'accord. Donc, il faut absolument qu'on définisse, qu'on ait une table de structure. Hein, on aura par exemple le code de tel nibulé. Donc, on va pas en dire que bon, mais c'est en relation avec par exemple l'événement. Vous avez été obligé de descendre encore. Il y a rien vu qu'un numéro de tête. Structure. Non. Non, structure, oui. Idée structure, on a. Évidemment, c'est pas du tout. Structure est directement liée à. Donc c'est bon comme ça, non? C'est bon. Si tu es lié à l'activité, responsable. Maintenant, tu vois que de plus long, sous on danse. Mais moi, j'ai un problème. Comment on gère dans les affectations, les attributions de ça, ça se passe comment? C'est ça le problème. Les attributions de ça. Mmh. Là, il faut le demander qui remplit cela. C'est ça. Ou bien on supprime ça. Parce que là, j'ai l'impression. Nous sommes en train de gérer totalement les événements, donc... Non, la salle est là, la salle est là. Mais non, s'il faut gérer ce que vous gérez, la salle que les affectations... Par exemple, s'il y a un événement de soucis, et que ça doit se passer à la salle, tant... Oui. Merci, c'est parce qu'on s'est dit que la structure qui organise l'événement fait la demande. Mmh. Fait la demande de la salle. C'est-à-dire qu'il faut avoir un événement, j'ai besoin d'une salle de tête capacité par exemple. Oui. Maintenant, en fonction de la disponibilité, en fonction des priorités, les salles, va vous affecter. Attendez d'abord, demandeur. Ça non. Mm-hmm.
votre père qui soit d'abord comme ça, on va voir. Maintenant, il fait quoi? C'est lui, non, surtout. C'est lui qui fait la demande. Lui, il fait la demande, c'est la structure qui fait la demande. C'est la structure qui fait la demande. Voilà, donc. Tu demandes ça. Donc, il fait la demande en renseignant quoi? Donc, peut-être que demander, ça va être peut-être la relation entre cette structure et salle. Et, oui, entre structure et salle. Vu que, oui, maintenant, bon, on va faire les relations après. Maintenant, le demandeur, dans sa requête, qu'est-ce qu'il remplit? Bon, il lui-même, son nom propre, le nom de la structure, donc oui, ça veut dire que ça va être une relation entre... Il ne peut pas seulement s'arrêter à la succès et déjà demain. Si ça va être passant, tu sais que tu vas lui donner le passant. Il a besoin de la salle pour combien de choses. Oui, c'est ça que je dis. Donc, il faut que l'événement soit dedans. Oui. Il y a une fiche de vendeur. Oui. Bon, c'est ça, non? C'est ça. Attends, la fiche est-ce que, de Paris, non? Est-ce que vous avez un exemple physique de ce que vous faites? C'est la partie du physique. Actuellement, là. Non, actuellement, il n'y a pas. Il y a généralement dans les documents, il y a un cahier, un registre, le nom de la structure, tu peux mettre la date, tu veux le demander. Attends. C'est ça. Je mets quoi? Bon, forcément, hériter des informations de structure. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, tu as dit quoi? Date, demande. Et telle heure, parce que des membres nous ont donné l'heure. Il y a l'heure. Date, Que tu précises la date de la réunion avec tout à l'heure. Une date de membre aussi, heure. Donc, ah oui. Donc, c'est à part, oui. Ici, normalement, tu mets la tranche horaire. Ça va commencer à quelle heure? De jour, heure, soir, voilà. Oui, heure, de jour, heure, de jour. Jour, date, puisque on est date, non? Oui, date, date de début, heure de fin. Bon, là, regardez, vous m'avez assez discuté. Au point où. c'est vrai. Maintenant, on met jour. C'est-à-dire date? C'est ça. On était dans la chute. Date début. Date 1, début, heure, fin. Oui, c'est mieux comme ça. Tu as raison. Date virgule. Pour être complet, on peut également. Est-ce qu'il y a des cas? Non, terminons d'abord ça. Non, c'est ce que je suis en train de développer cela parce qu'il y a des demandes. Ça ne passe pas. On sollicite à ça plusieurs jours. Oui. Nombre de jours. Bon, c'est ce qu'on va faire date début. Après, je viens donc date fin. C'est bon. Là, ça nous arrange tous. Date fin. Time to. C'est intéressant, sauf qu'il y a des cas où on peut parler de moment. On peut dire qu'on peut la salle de réunion lundi et peut-être vendredi. Là, alors, on fait des demandes.
précis. C'est-à-dire qu'on fait la demande qu'on veut tel jour là, on sélectionne, on ajoute, on veut tel jour, on sélectionne, tel jour, telle heure. C'est-à-dire qu'on va mettre une table. Une table jour. En fait, on ne peut pas, on peut mettre sur pied une autre table. C'est cette table ce qui va servir de ça. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez pris un exemple. Il peut avoir. On peut me laisser comme ça. C'est-à-dire c'est comme deux demandes d'amende. Je sais que vous avez demandé une réflexité, c'est ça? Oui, reflet. Les liaisons réflexives. Non. Si on peut utiliser la. Si on utilise ça, on a pu deux tables, une seule table. Parce que on va, si vous êtes par exemple, on va solliciter le lundi à 12h, le mercredi de 10h à 15h, le vendredi. C'est les heures de début, les heures de fin, chaque jour. Tu gardes même à une place, parce que quand tu gardes la structure. Je voulais lui poser la question. Qu'est-ce que tu entends par IT? Qu'est-ce que tu entends par IT? Parce que quand tu nous dis IT, nous ici on sait que toi tu veux parler de clé primaire. Or, nous tous on sait que à chaque enregistrement, la clé primaire va s'incrémenter. À moins que je me trompe. Mais si tu parles de celui qui est clé étrangère, là il y a une raison. Je suppose que tu peux vous forcer ta réflexion. Parce que depuis le ID, ça fait même un peu de temps. Que vous avez beaucoup de choses dans la tête. Ça se voit ici. C'est-à-dire que il a fait ça depuis 15 ans. Et c'est tout le monde de personnes qui prennent dans sa tête. Et il peut tomber à l'aise à table. Non, on va. On a dit table à l'aise. Voilà. Mais c'est table là. On ne pense pas. Toi bien, nous sommes ensemble. Je pense que l'écoute donne. Voilà. Donc, quand écoute ça, il faut avoir date tout simplement. Et non pas date de plus. Oui, c'est vrai. J'ai enlevé. S'il y a un autre jour, tu ajoutes. S'il y a un autre jour, tu ajoutes. Et là, au niveau de la conception. Voilà, maintenant, sur la table, sur le formulaire, vous allez comment? Quand on a mis un tableau. Tu coches dans le tableau. C'est-à-dire, là, nous aurons un tableau. Il choisit la date, il choisit l'heure. Il met ça. Il choisit la date, il choisit l'heure. Il met ça. La date, l'heure. Il y a quelque chose que j'ai envie d'utiliser. Pour que ça soit. Si par exemple, je veux un certain. Ça, je vais réfléchir. Parce que si par exemple, je veux connaître toute sa requête à un instant donné, selon certainement sur une clé, par exemple, ça me permet, je peux être capable de dire voici sa requête de tel jour, tel à tel heure, il a sorti la salle, tel jour. Tel à tel, il sollicite ainsi de suite.
sont très réfléchis, donc je vais voir ça comme ça maintenant. On a date, heure, début, heure, fin, n'est-ce pas? On aura le nombre de personnes. C'est le demandeur qui dit le nombre de personnes qui vont être dans son prénom. Oui, précise. Voilà. Donc, nombre de personnes. Ou bien. Voilà. Nombre de places. Nombre de places. Maintenant, il y a quelque part, on disait salle climatisée, salle ceci. Ça signifie que en fonction de place qu'il va choisir, n'est-ce pas? On aura déjà, ça sort une fois la salle en question en back-end. Enfin, du moins, c'est dans les petits détails. C'est vrai que ça, c'est une approche. Maintenant, on peut aussi, c'est-à-dire que quand on a dit que quand on enregistre toutes les salles, on met la capacité. Oui. C'est-à-dire que si on se dit que le demandeur a la possibilité de déjà utiliser les salles qui ont été enregistrées, il peut très bien déjà effectivement choisir la salle. Ah oui, donc, vous me faites comprendre que. Le demandeur. Ah, le demandeur, c'est lui qui check. Il peut choisir la salle. Il choisit la salle. Ok. Ça, c'est 30 personnes. Voilà. Il dit par 30. Parce que les informations de la salle seront dans l'idée. Seront son idée, non? L'idée de demander la clé étrangère. Liaison directe. Oui, les informations de la salle, oui, ça va migrer. Parce que d'après ce qu'il dit là, tu es un peu d'accord ce qu'il dit. Il check, il dit que bon, transfert. Donc, oui, il faudra quand même fermer un contrat. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir 30 places. Et si ça, il semble. Non, il y aura tout le contrôle. Non, c'est la table. Ce sera dans le rôle de. Non. On peut facilement l'application peut gérer ça. T'as dit, c'est juste une sélection d'une ligne. Puis on aura la liste, par exemple, des salles. On aura la liste des salles. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on bloque. Parce que, comme l'autre jour, quand on prend en compte les Et quel est le verbe qui s'empêche là vraiment? Non. C'est-à-dire que même si vous êtes 10, 10 oui. Et que comment vous pouvez faire votre expérience dans la salle de contrôle, tant qu'elle est disponible, maintenant, si notre réunion. Voilà, c'est là où la priorité. C'est là où la priorité repose dans les. On voulait juste à un certain niveau, ce n'est pas de ce côté-là qu'on allait gérer. Le nombre de places n'était pas pour dire que si la vraiment il faut 30 ou bien il faut non. Le nombre de places c'est quoi? On check juste. Est-ce que comme là il a 30, il ne faut pas aller prendre une salle de 20? Ça c'est le grand check, non? C'est tout. Je ne check pas le supérieur. Je ne check pas le supérieur. Donc c'est à partir de là. Donc il ne peut pas dire qu'il veut 10, mais il se retrouve en train de vouloir. Par fatigue, quelqu'un peut plus faire dessus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait encore? Parce que après cet exercice, on va donc passer dans le code pour maintenant implémenter, dans l'AGL pour maintenant implémenter. Pour apprendre de là, on va encore réfléchir, bien valider. Parce qu'en ce moment, on ne voit pas bien. Du coup, nous ne voyons même pas là où on va. Mais on sait quand même qu'on marche. Oui. Parce que quand tu dis à côté là. Non, on commence pas dans la liste, non, dans la chaîne. Je crois que le futur. Oui, ça va être. Une fois qu'on regarde, ça va être très bien. Voilà. Ah, oui, exactement. Maintenant, donc demandeur hérite les informations de la structure. On a date, heure, début, heure, fin, nombre de places. Nombre de places. De transistors de bon.
comment tu nous peux de place la ressource nous c'est vrai aussi qu'on peut, ajouter un peu comme le matin, on disait que bon, il y a aussi les caractéristiques comme la connexion internet, la climatisation. Voilà. C'est ça que je disais dans l'information que par exemple, il vient là, il dit, parce que voici ce qu'il fait. Il vient, il choisit. Information sale. Mm-hmm. Il élite information sale. Il met information sale. Oui, il élite de parce que là-bas on a le nom de la salle, le nombre de places, mm-hmm. placement. Non. Mm-hmm. Ici c'est pas la même chose. La même chose. Ici nombre de places, oui, je donne je raison que, à celui qui a proposé. Il vient. Il ne connaît même pas lui. Il fait sa demande. Ok. Ah, c'est au gestionnaire de la plateforme à partir de la demande. Gestionnaire de la plateforme ou gestionnaire de la salle? Bon. La demande se fait pour une salle. Oui. Ce n'est pas que tu es là, tu dis que pardon, je veux une salle dans le ministère ou une réunion de bain. Non. Tu veux la salle de la DB. Oui. On veut la salle de la on t'adresse à la DB, peut-être un point focal qui gère. Qui gère ça. Oui. C'est ce qu'on a fait sinon. Donc, je ne sais pas pourquoi on met encore le nombre de places. Parce qu'on va directement vous demander une salle. On ne va, on n'a plus à 20 personnes ou 10. Non. Non. C'est pas ça qu'on veut dire. Non, il a dit qu'on met ça pour éviter les erreurs. C'est-à-dire que la personne en a facile. C'est-à-dire que. C'est pour. Et qui peut vouloir une salle de. De 20, de 30, lui, pas prendre. Par erreur, il sélectionne une salle de 20. Et ça peut passer. Si on ne met pas ces contrôles. En fait, c'est quoi? Je vais m'expliquer. J'ai une question. Est-ce que c'est le demandeur qui fait toute la demande? Ou bien lui fait juste la demande et le responsable de la salle se charge de valider? C'est ça, en fait. Voilà, donc. Le responsable valide simplement. Voilà, ça signifie donc quoi? Moi, je suis demandeur d'une structure. Même si la salle se trouve dans la structure. Oui, je demande. C'est normal. Je dis, j'ai un événement que j'ai envie d'organiser de le 8 avril 2020 entre 8h et 13h. Nombre de personnes. Je veux que la salle puisse être climatisée. Hein? Vidéo, projecteur, doit être disponible. Voilà un peu quelques éléments. Moi, j'en vois. Je ne veux même pas connaître. Je ne connais pas quel dé j'ai ça. Pour moi, ça m'est égal. Maintenant, donc, celui donc qui gère la plateforme, il a ce qu'on appelle la disponibilité des salles. On n'a pas encore mis cette table-là. La disponibilité des salles. Est-ce que la salle s'y est disponible? Bon, non. Sauf que si on fait ça, on a raté. Non, parce qu'en réalité, c'est-à-dire que tout demandeur devrait pouvoir avoir la disponibilité de la salle. C'est-à-dire qu'en faisant sa demande, en disant que je vais la dire tel jour, il sait que la salle est disponible parce qu'effectivement, il a un aperçu sur les réservations des salles. Maintenant, c'est une erreur, monsieur. Non, je vous arrête. Ça peut passer. Non. Ce sont les structures qui demandent, ce ne sont pas les individus. Non, je sais. Donc, ça veut dire que maintenant, le gestionnaire de la salle, parce qu'il n'est pas fait que deux structures demandent la même salle, le même jour, la même heure. C'est bon. C'est là, effectivement. Les priorités interviennent. Voilà. Où le gestionnaire de la salle dit que bon, on peut utiliser cette salle. Même jour, à la même heure. Je vais arbitrer. Alors, je vais peut-être décaler toi. Donc, je pense que, parce que si on dit qu'il n'a pas la disponibilité, il n'a pas accès aux disponibilités, ça veut dire qu'il fait une demande à l'aveugle. Propre. Ça. Et ce n'est pas très. Bon, est-ce que c'est vraiment efficace de faire très efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur Togo. Il y a une deuxième chose. Monsieur Togo, oui. Avant que vous le compreniez, s'il vous plaît, c'est ce que nous faisons.
Ça revient à enlever la paternité des salles aux directions. Aux directions. C'est-à-dire que ce qui se passe pour l'instant, c'est que comme je suis à la D8, à la D3, la salle de réunion qui est là, c'est ma salle. C'est-à-dire que je passe en priorité. N'importe quel jour, c'est ma salle. Donc, toi qui viens là, tu attends d'abord. Est-ce que ce que nous faisons, ça va passer? C'est ça le problème, c'est justement ce que je voulais dire. Non, raison pour laquelle j'ai engagé depuis le début. J'ai juste posé une question. Y a-t-il une direction qui a la main mise sur tout ce qui se passe ici? Ça m'a été, j'ai reçu un oui, le DAG. Non, sauf que Erico a nuancé. Erico a dit que la DAG s'occupe des grandes, des salles qui sont on dit, on va dire communes à tout le monde. Donc la salle. Voici ce que nous sommes en train de faire. Les affaires de conservateurs, quand on met déjà sur pied une plateforme, je t'assure, la conservation, c'est la raison pour laquelle le micro-pas ne donne pas. Il le modifie. Une seule appli, comme nous sommes en train de le faire, une seule personne peut gérer. Nous, qu'est-ce qu'on comprend? Non, 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 on se comprend moi-même. Un truc qui va marcher, qui sera accepté. Oui, ici. Oui, on se comprend. Si on va comme ça, on ne franchement, c'est pour soulever un tout. Non, 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 on se comprend. Tout le monde veut la bonne marche de sa direction. Je prends un exemple très simple, c'est basique. J'ai un élément prioritaire. Qui nécessite la salle de la DH3. Tu as dit. Bon, ça toi, voilà. Ah, ça en passe. Hein. Ouais. Toi, tu es de la DH3. Ouais. Hein? Peut-être tu as aussi ta part d'événement. Oui. Ça peut être, peut-être entre vous, vous avez organisé peut-être une réunion. Dis-moi, en ce moment, est-ce que ton événement qui est de va venir surplomber celui de niveau 4 ou même niveau 3, la priorité. Raison pour laquelle nous avons défini ce qu'on appelle des priorités. Et j'ai donc posé la question qui est celle de savoir, celui qui va, est-ce que vous souhaiterez ceci, que le demandeur a déjà avoir l'aperçu des salles disponibles. Je vous ai dit non. Parce que gardons un peu ce... Oui, cachons un peu ça. Non, effectivement, on connaît toutes les salles disponibles au ministère. Ce n'est même plus un secret. Dans la fiche de demande de la salle, le demandeur devait ouvrir un concours et choisir la salle. La salle disponible. Et ok. Même pas disponible. Toutes les salles, il connaît tout. S'il veut faire sa réunion à la D2, il choisit salle D2. Ah oui, et c'est maintenant. Et la demande va donc au niveau du responsable salle D2. Ah oui, exactement. Plus on a mis. Mais ça va, non? C'est là au responsable de la salle de D2 pour de lui dire que à cette heure-là, à cette date-là, elle n'est pas disponible. Mais on a. Il a dans le retour. C'est un peu comme ça. Occupées. En fonction des heures, des actes que tu as choisi. Oui, par exemple. Voilà. Par exemple, si la salle
parce qu'on aura une table occupation. C'est cette table-là qui va jouer tout. Puis on a heure, date début, date fin. C'est sur ça. Alors, date heure début, date heure fin. À partir de là, on regarde date heure fin avec ta date début. Si ta date début est supérieure à la date fin, ça sera disponible. Oui, c'est-à-dire que le système fait le check. Voilà. Les sommes dont les gens choisissent les salles, en fonction des choix, le reste, parce qu'il y a un responsable de salles, qui check. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Oui. C'est à lui de choisir la priorité. Vous voyez, s'il y a conflit. Parce qu'il faut bien qu'il serve à quelque chose. S'il est seulement là pour valider, il n'aura aucune utilité. Le responsable de ça, au niveau de l'occupation, la table, Et c'est cette table-là qui va beaucoup travailler. La table d'occupation. Bon. Du bien disponible. Ou alors, on peut gérer ça de façon automatique. Ça veut dire que si pour chaque événement, on a défini la priorité, ça veut dire que le système lui-même, ça dit quand on rend notre événement, automatiquement, ça définit la priorité de notre priorité. Ça nous met en avant par rapport à l'autre. Il y a un numéro de téléphone, email, c'est ça, non? Oui. Les mails, non? On va les poster. Les mails de la maison. Ça va venir coûter. Ça dépend, peut-être que ce n'est pas aussi. Donc, email, téléphone. Oui. Au responsable de la structure. Maintenant, donc, ce qui dit, donc, ça signifie quoi? En fonction, lui connaît le nombre de places. Donc, ça signifie qu'il va, hériter information salle. Attends, je voulais dire info salle. Info salle. Je m'en vais à la ligne. Maintenant, parce qu'en fait, même la table, si on peut la transformer en table au demandeur. Là, maintenant, on complète par valider, c'est-à-dire un boolean. Si niveau de priorité, niveau de priorité, est-ce qu'on se comprend un peu? Niveau. Sauf que si tu laisses le choix de manière depuis le. Non, c'est pas tout le monde, tout le monde va mettre 5. Voilà, non. Non, niveau de priorité et. Qu'est-ce qui se fait si chacun demande la salle? Chacun demande la salle. Tu vas forcer donc, voici des informations et un message lequel, ou bien on peut laisser. On transforme le message en mail.
ou bien en SMS. Donc, ça se passe comment? Je vais vous expliquer. Oui. Non, c'est celui qui gère, celui à qui vous avez envoyé. C'est lui donc qui définit. Le gestionnaire. C'est le gestionnaire de la salle, c'est lui qui définit. Qui définit le niveau de priorité de la Oui. De la parce que j'ai voulu. Oui, et là, je vous rejoins, vous avez raison. Parce que là, en ce moment, donc, où est donc alors le rôle de celui qui gère sa salle? Vous avez raison, il doit choisir les salles disponibles. Pas disponibles, il choisit les salles. Lui, il n'est pas Dieu. Mais quand même, on peut le renseigner. Quand il choisit une salle, on lui dit, pour l'instant, hein, la salle est disponible. Mais ça passe. Vous voyez un peu, il a quand même une information de ça. Et s'il insiste, toujours qu'il valide, hein, on lui dit, nous vous proposons de décaler. Tu vois un peu, en fonction de la date de fin de la salle qu'il a sollicité. Hein, s'il refuse, il décale d'un jour. Donc, si par exemple, la salle qui sollicite, n'est-ce pas, le truc termine, prend fin à 17h, enfin le 7 avril, hein, à 12h, on décale le jour suivant. On le dit. Donc, ça dit, c'est un truc que tu avises. Souhaitez-vous toujours cette salle, malgré qu'elle soit occupée pendant la période de temps à temps, il dit oui. On dit maintenant, hein, la salle, le début de votre événement sera décalé. Hein, pour un peu. Dès qu'il valide, ça passe. Maintenant, donc, le gestionnaire de salle, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il a reçu la demande. On a quand même allégé la tâche à ce niveau-là. Il n'a pas besoin de trop réfléchir. Il sait que tout qui est devant lui. C'est les demandes propres pour dire de ça. Alors, lui, il peut définir la priorité et il valide. Il peut donc arriver que quand il définit la priorité, hein, il va valider à son niveau. Quelqu'un d'autre a fait la même demande, non, pour la même salle et peut-être même la même période. Hein. Concernant les priorités, qu'on essaie, ce qu'on dit est pertinent, c'est-à-dire que quand on donne du travail à celui qui gère la salle, mais en même temps aussi, c'est-à-dire que. Non, mais il n'aura même pas le travail. Oui, bon, c'est un travail qui n'est pas très lourd. Oui, cliquer, valider. C'est un travail qui n'est pas très lourd, mais en même temps, c'est-à-dire quand je vois un peu. On aurait pu faire ça aussi autrement, c'est-à-dire que quand j'ai eu le sentiment que bon, c'est vrai que pour l'instant ce n'est pas encore ça, c'est-à-dire que c'est vraiment chaque responsable qui gère, chaque direction qui gère la salle. Mais quand une fois j'ai changé avec le DHG, bon, en réalité, il va pas aussi se. Il y a eu des plaintes. Bon, un peu comme M. Général disait, c'est que quand une salle de réunion est remplie dans. C'est-à-dire que parfois les réunions se comportent comme c'était leur salle de réunion. Or, ce n'est pas leur salle de réunion, c'est la salle de réunion du ministère. En fait, quand on a effectivement des problèmes, beaucoup de plaintes dans ce sens-là. C'est pour dire que peut-être à terme, on va peut-être centraliser les salles de réunion. Bon, à nous donc de faire le choix. Soit on fait une activité d'appli avec des salles centralisées vers un seul gestionnaire, soit on décide de suivre le mouvement. Si on peut faire sauter le site actuel, on dit ça ce soit les directions qui gèrent. On fait simplement, c'est-à-dire que le système gère tout. Voilà. Par exemple, le système va. Et eux, maintenant, ils constatent simplement.
Ça nous enlèvera même la place. Il passe par la même requête. Et c'est ça que je vous ai proposé depuis. Parce que l'autre méthode est même plus difficile. Parce que quand tu as fait la demande, il faut bien que la demande arrive directement à la direction où la salle se trouve. Ça ne doit plus être au même endroit. Donc, ça suffit quoi? Tu demandes la salle des dieux, ta demande doit aller là-bas. Ceci, ça ne change pas. On le calme. Sauf que avec les profils, on redirige vers celui qui est sanctuaire, qui gère ça. Que non, son travail, comme ça que je vous ai dit, le puits, le truc, que c'est son travail. Quand il vient tard, d'abord qu'il va recevoir les notifs, oui, les SMS, parce que certains, quelqu'un lui va te dire cash. Le ministère ne m'a même pas la connexion, mais heureusement, les SMS existent. Oui, il va te dire cash, et il a raison. Parce qu'il est dans la licence. Non, mais il ne veut pas. Oh, quand je reçois un SMS, automatiquement, il doit. Oui! Même si, tu as dit, certainement non. Même si, tu as jamais mis mon téléphone en mode avion, dès que j'ai ouvert, j'ai reçu un message. Les messages classiques, ne dis pas. Classique, non? Ça, c'est, tu as dit, ça, c'est un moyen de communication le plus efficace. Moi, je peux décider d'aller acheter un churroco. Dis-moi un peu. Ah, tu me parles. Moi, j'ai fait ça le blanc. Oui. Ah, donc, je suis allé acheter, il crame le. Oui. Oh, quand ils ont donné le pain, ça, c'est mon élégant. Oui, je le sais, moi. Les SMS. Eh, comme les gars, c'est mon U. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on garde le même truc. C'est-à-dire, le même process. Il fait, il choisit sa somme. Hein? Le système essaie déjà de passer la cache. La salle que tu as choisie là, est occupée actuellement. Ou bien, quand maintenant, on voit que les deux ont les mêmes niveaux de priorité. Non, non. Quand passe, plus là, ils n'ont. Ça, c'est nous, on check. Nous, côté demandeur ou bien occupation. On check à partir la date de début du demandeur et la date de fin de la salle Donc, oui. Et le coup, actuellement on travaille comme si c'est le service du matériel qui gérait toutes les salles. C'est ça, non? Non, là maintenant c'est. Non, écoutez. Chaque salle a son responsable. Non, chaque salle a son responsable. La nouvelle appli vient parce que le matin, ce n'est plus le cas, nous ne sommes plus là. Est-ce qu'on reste dans notre système actuel? Non. Ou on migre vers le but. Le but de la plateforme didactique. Qui je constate qu'en train il y a de prendre de l'ampleur pour devenir un projet réel, c'est de mettre sur pied une nouvelle politique managériale. Hein? Nous tous, nous savons que quand l'affaire était gérée comme au sein du Jangadi, et logement qui tient, mais tout le monde peut le tenir. Hein? Non. Ma D2, nous avons la salle. Moi j'ai, nous on a. Oh putain, il y a un truc. Vous voyez, quelqu'un même parle, un responsable de. Il y a encore que toutes les directions n'ont pas de salle. De, voilà. Un responsable de cette salle-là, il va y cacher les clés. Il ne voit pas les clés. Je ne vois pas les clés. Attends, vous allez au baraque. C'est vrai. Hein? Or, quand tout est centralisé chez quelqu'un, non, même son excellence, monsieur le ministre, même le Mindelcom, le Mindel, l'IG, c'est-à-dire le CT, ils savent que. C'est Bidjaka Joël, c'est Bidjaka Joël qui est après affectation ou allocation salle là, c'est lui qui gère. Hmm? Oui, donc quand il va aller, le demandeur vient donc demander. Il vient donc. Oui. Il te gage, j'ai une demande. Non, il n'a pas besoin. Dès que, tant que lui il ne valide pas, n'est-ce pas? SMS et tenons tranquille, on va insérer cette
Oui, plus tard, vous pouvez insérer un centre de notation. On voit combien de fois tu as reçu la notification pour un même truc. Hein, monsieur Bijaga? Non, non, c'est la tech. C'est le sérieusement, le coronavirus est venu. Tu vois comment Cameroun fait de la télé, hein, télétravail, hein, télé, le e-learning. J'ai vu ça à la CIA TV. C'était intéressant. CIA TV, ouais, c'était en live. Même un CIA TV Sport a été obligé de relayer. Hein? On a beau. On va beaucoup combattre les TIC, mais un jour, un jour. Oui, effectivement, c'est notre line of duty. C'est-à-dire que. Voilà. Donc, laisse donc. Les solutions. Impactent. Et ça va impacter. Je vous dis toujours, je dis toujours à certaines personnes que si tu proposes une solution, on t'acclame. Tout le monde t'acclame. Gars, mais puis toi, tu de ta solution. Ça, c'est pas la solution. Oui, oui. Non. Si tu, même quand tu me soutenais, je veux dire que parmi le jury, il y a un qui vous a saqué. Il vous a défait. Il t'a démontré que ce que tu as fait était nul. Maintenant, si tu proposes une solution, tout le monde dénigre. Gars, comprends que tu as touché quelque chose. Va à la maison. Va encore réfléchir sur ce que tu as touché, renforce encore. Oui, c'est comme ça. Pour dire quoi? Pour dire une solution que tu vas proposer, il y aura le pour, il y aura le contre. Et généralement, c'est le contre qui domine. Tu as vu ce qu'il a posé comme le problème? Non, non, non. Moi, c'est de la D3. On a eu ça. Donc, ça signifie que la demande doit aller chez. Donc, c'est lui qui gère la demande, imagine. Que... Mais sauf que ce sont ces mêmes responsables-là qui ont pu les clés des salles. Ils ont remis dans la direction. Ce n'est pas nous. Non. En ce moment, nous, par exemple, nous. Ils vont aller récupérer. Non, non, nous, par exemple. Mais bien sûr, nous, par exemple, oui. Alors, c'est une solution optimale. C'est, et ce que je propose, oui. Nous allons sur la solution optimale. Et moi, je suis d'accord. Et ce que je propose est optimal. Vous, c'est-à-dire qu'on connaît une seule personne qui gère les clés et qui gère. Ou soit un service, disons un service. Oui. Quand il y a une personne, c'est trop dire. Parce que moi, j'ai parlé de profil. Oui. On sait, par exemple, profil service de ceci. Sont eux qui gèrent. Qui gèrent, voilà. On sait que dans. Là, en ce moment, il faut avoir l'organigramme. On sait que c'est le service tant c'est là. Quand on veut les prix des salles, la demande certainement va tomber là-bas. Et il aura le temps d'apprécier. Et ça ne fait pas le temps. Même avec son téléphone, hein. Parce que puisque c'est le même truc, on va basculer en mobile. Même avec le téléphone, il doit pouvoir apprécier l'événement. Donc il voit tout. Parce que le demandeur, comme je vous disais, il choisit l'événement. S'il n'y a pas l'événement, il renseigne l'événement. En donnant toutes les trucs, il renseigne les parties prenantes. Ça, c'est le demandeur, ça, c'est son rôle. Il renseigne, quand il dit parties prenantes, forcément, il a mis le nom et tout là. Il définit les noms des participants. C'est lui qui le fait. Je pense pas que c'est le gars qui gère la salle. Lui quoi là? Le gars de la salle est que tu as fait ta requête, non? On m'a appris lors de la présentation de la plateforme que quand ça arrive à mon niveau, qu'est-ce que je fais? Je regarde les salles qui sont là avec leur niveau de priorité. Hein? Bon, et puis décider de dire que non. C'est peut-être une réunion qui est en train de se passer actuellement. Et vu donc que la plateforme elle-même, dans un premier temps, a d'abord essayé de faire un toilettage. Tu as demandé ton truc, le sexe. Or, il y a peut-être un séminaire qui se termine le 7. On te décale. En ce moment, tu n'as pas de priorité, on t'a juste décalé.
ça c'est automatique et on a enregistré. Maintenant, donc, celui donc, ils viendront valider, ils voient que peut-être il y a une autre, peut-être une autre structure qui a sous-traité la même salle, mais sauf que peut-être ils l'ont fait avant. Hein? Parce qu'il faut voir si la date que tu choisis est encadrée avec la date de l'événement en cours. Non, là, en ce moment, c'est la priorité. Tu vois, si par exemple, c'est un truc d'urgence, on décale. Là, c'est d'un jeu. On ne peut pas vous faire sortir là, non. Je pense que c'est pas comme ça se passe. On avise avant, on prépare la salle. Si on constate que la salle est occupée, on a le temps de dire à ceux qui l'occupent, non, vraiment, c'est une réunion de crise. Et c'est cette salle-ci qu'on veut utiliser. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce qu'on va faire. Et je vous assure, je commence par vous préparer que c'est une programmation. Oui, on va un peu aller un peu plus vite, mais pas très vite. Sinon, je vous propose ceci. Là, c'est une entente que j'ai discuté avec toi. C'est 32 séances par AGM, donc par module. Ce qui fait 96 séances. Donc, du niveau 1 au niveau 4, c'est 32 séances. Hein? Alors, comme nous perdons, comme nous insistons sur un module, Windel, cela va nous permettre d'aller un peu plus vite. D'autres modules, on ne va plus faire encore ceci. Tout ça, attendez, soyons un peu raisonnables. Dans Windel Mobile, on va encore commencer ça. Non, pourquoi on a déjà réalisé? Directement dans le code, on modifie ce qu'on a modifié, on montre comment on partage la base de données web pareil. Donc, je crains qu'on prendra plus de temps. Peut-être on peut arriver à 50 séances. Oui. Le reste va nous énerver. Le reste, ça va aller vite. Le reste peut être sous forme de d'exercice. Hein? Le reste peut être sous forme d'exercice, par exemple. Je dis, ok, à la maison, nous allons faire ça. Hein? Allez me faire ça, par exemple, tel module côté mobile, par exemple. On a commencé un truc côté mobile. Vous voyez un peu. Et il faut donc que, comme on a 96 et vous avez vos propres projets, il faut qu'avant les 96, que chacun puisse présenter son travail. Je ne sais pas si c'est un projet individuel ou un projet par binôme. Je ne sais pas comment. Projet fini. Ouais. Au bout de 96, qu'on présente. C'est les projets individuels. Voilà. Maintenant, ce sont les projets individuels. À partir de la 80e séance, la formation s'arrête. Maintenant, je vous suis sur vos projets. C'est ce que je propose. Bref, on va voir devant. On va voir le niveau d'avancée de chacun. Cet approche est intéressante. Oui. Parce que même si on arrive à 96, je peux vous donner la date de toi. Un mois après, il faut vraiment que quand même je reviens, chacun présente. On fait Donc, on fait une 96 séances. Maintenant, chacun a son super projet et on a un délai. Sauf que je crains ceci, c'est que un mois pour quelqu'un qui ne programmait pas en Windel, c'est parce que quand il m'a parlé d'abord de son projet, les compétences. Tu vois un peu. Oui. Où ça en même temps, c'est-à-dire qu'on se développe les projets, c'est-à-dire qu'on doit avoir les fonctionnalités.
Ok, nous avons brossé. Il est vrai que on ne peut pas d'un coup avoir toute l'analyse. Non, on ne peut pas. C'est au fur et à mesure. C'est à, oui. Pendant l'avancement. Exactement. Il y a même d'autres trucs qu'on va même. Que non, ça ne sert à rien. On a plutôt fait ça. C'était un super truc. Donc. C'est ce qui achève la deuxième séance de la journée. Et on peut un peu relire le PDF et tout là. Oui, oui, mais après. Regarde, mais ça te conclut maintenant. Maintenant, tu me coupes. Maintenant, donc. La séance, la troisième séance qui est la dernière, on va donc prendre connaissance de notre logiciel qui est Windev 23, qui est Windev version 23 avec une dernière mise à jour 77F, quelque chose comme ça. C'est sur ça que nous allons travailler tout le long de la période qui nous sera consacrée. Malgré que COVID-19 vous fait paniquer, moi je reste optimiste et optimal. C'est ça un peu qui fait un peu ma force. Oui. Quand nous étions au nord avec Boko Haram, je fréquentais là-bas. Oui. Les gens fuyaient, mais étaient là. Donc. Ok. Je vais te répondre à ta parole. Je vais te répondre à ta. Ok. La prochaine séance, dans un instant. Merci.